Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon format On règle vos problèmes. Et cette fois, je suis avec le frérot Ben PLG. Totalement prêt à régler tous vos problèmes les gars. Putain, si vous en avez beaucoup, tant mieux parce que je suis là pour ça. Incroyable, comment tu vas déjà? Franchement ça va super et ça ira encore mieux une fois que mon frérot Max m'aura amené ce verre d'eau. Let's go, regarde, j'espère que tout le monde dans le chat. Ah non, on n'est pas sur Twitch. Non, on n'est pas sur Twitch. C'est pas grave, let's go. Un jour peut-être. Un jour, j'espère. Bah oui, de ouf. Bon du coup, j'explique vite fait le concept. Mes abonnés m'ont raconté des problèmes qu'ils ont en ce moment ou qu'ils ont eu par le passé. Okay. Que ce soit amitié, famille, amour, etc. Ok. Vu le thème du projet, on va se focusser un peu sur les histoires famille, amitié. Ok. Donc bah vas-y, let's go. Tu veux commencer à lire ou je commence à lire? Ah, comme tu préfères frérot. Lis la première, allez. On est chez toi ici. Ok. Dans ma famille recomposée, je vis une semaine sur deux avec ma mère et l'autre avec mon père, sa copine et son fils. À la maison, ça se passe pas trop mal, mais en vacances, elle ne me respecte pas du tout, me parle et se comporte mal. Qui? La belle-mère. Ok. D'autant plus qu'avec mon père, on part souvent pendant 3 semaines de suite à un endroit avec elle et ça me pèse vraiment. Donc c'était, j'aimerais ne pas partir, je ne trouve pas le moment pour le dire à mon père sans le blesser. Je suis sa fille et on parle de la femme de sa vie. J'espère que vous pourrez m'aider. Ok, problème classique. Ouais, en vrai. Là, on est sur un truc classique. Ouais, de ouf. Pas facile, tu as déjà vécu cette situation? En vrai, non. Moi, je vous, les ruptures de mes parents se sont bien passées. J'ai des bons beaux-parents, donc j'ai de la chance. À chaque fois, ouais, ok. Ça va. Ouais, toi, t'as eu ça, toi? Ouais, j'ai déjà eu envie de mettre des gars dans des murs et tout, okay. Tu vois. Mais, mais c'est normal, c'est l'adolescence, c'est pas facile. Ouais. Ta maman, c'est. Ton papa, c'est pareil, je suppose. Quand t'as quelqu'un qui rentre comme ça dans sa vie, c'est... La question de savoir, c'est si elle se sent, pour moi, hein, si elle se sent heurtée, si elle se sent qu'on lui manque de respect, il faut qu'elle... elle n'a pas précisé dans ce message si elle avait déjà dit à cette personne. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que le mieux, c'est d'en parler. D'abord à la personne concernée, même si ce n'est pas évident. Je pense que c'est le dialogue qui règle tout dans ces situations. Après, si ça ne bouge pas, elle peut lui mettre des petites tartes dans sa gueule. Des petits, du sel dans sa soupe en plus, des choses, et rentrer ainsi dans une guerre froide qui, du coup, détruira vraiment leur relation et la famille à exactement. Terme. Voilà, c'est mon conseil. Mais ça a peut-être rajouté un peu de piment dans la vie, finalement. Voilà, exactement. Non, mais je pense, en vrai, pour rigoler, on rigole, mais je dirais de... Non, pas à la copine de son père ou à son père, directement? À la copine de son père, parce que son problème est avec elle. Ouais. Et ça se trouve, elle va comprendre qu'en fait, cette personne, elle est... En fait, souvent, quand on a des problèmes avec des gens, je sais pas si tu le vois, mais je trouve que... Des fois, c'est parce qu'on a une perception de comment ils se sentent. Et en fait, des fois, c'est pas vraiment... En fait, on s'est trompé. Ouais, tu sais, en fait, des fois, tu penses que certaines personnes sont hautains, alors qu'en fait, ils sont juste timides. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est peut-être le cas, en vrai. Donc, si c'est ça... Alors, là, c'est peut-être que tu vois, elle est stressée parce qu'elle se dit « qu'est-ce que je fous dans cette famille, moi ?» Et que du coup, elle essaye d'être bien ou qu'au final, elle a envie de... J'en sais rien, en fait. Bon, c'est compliqué à juger, on la connaît pas. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je pense que le plus simple, c'est de discuter, d'aller la voir, de lui dire « écoute, je ressens ça et j'ai envie que ça se passe bien, en vrai. » Le mieux, c'est que tout le monde aille bien. Alors après, elle a dit qu'elle voulait surtout pas partir en vacances, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, de partir 3 semaines avec son père et sa belle-mère, est-ce que je comprends, coup, elle c'est qu'elle n'a pas envie du tout, quoi. Elle a peur que son père le prenne mal, quoi. Ouais. Bah là, après, moi, je sais pas quoi te dire. Moi, je pense qu'il faut assumer ce qu'on ressent, il faut le dire. Après, c'est ça. Tu discutes, après, écoute, on verra bien, tu vois, mais ça peut blesser, mais... Moi, je pense qu'il faut résoudre le problème à la racine, comme on a dit. Ouais. Voilà, discuter avec la belle-mère, quoi, et essayer de régler ça, quoi. Toi, tu l'as appliqué, ça? Est-ce que je l'ai appliqué à moi-même? Non. Ouais. Non, moi, je me souviens une fois, j'ai eu ma maman était avec un mec qui était mon beau-père, quoi, en gros. Et ouais, il m'avait saoulé, tout, tu vois. Et en fait, justement, il avait essayé d'imposer une autorité qui n'avait pas lieu d'être, en fait, tu vois. Genre un truc que même ma mère ne me demandait pas, quoi. Moi, ça m'avait énervé. Et je l'avais menacé. Voilà, je l'avais menacé physiquement, quoi. Ok, sympa. L'adolescence, voilà. Ouais. Et c'est la seule fois que j'ai fait ça, je pense. Mais ouais, je lui ai dit, vas-y, bah... Voilà, je lui ai dit des mots qui ne sont pas très recommandés dans les algorithmes. Et puis ensuite, ma mère, elle lui avait parlé, quoi. Mais en vrai, avec le recul, j'aurais dû lui parler directement, c'était bête. Ouais. Mais bon, des fois, avec la fougue, il faut que ça sorte. Oui, hein. Bah ouais, c'est la manière d'évacuer. Faut que jeunesse se fasse. Ouais. Ok, bah écoute, on passe à la deuxième histoire. Force à toi, en tout cas, pour les vacances. De ouf. J'espère que tu vas kiffer quand même. Depuis l'école, on a toujours été ensemble avec mes gars. Grosse amitié qui dure depuis 10 ans. On s'est suivis au collège, lycée, où on est actuellement. Sauf que notre lycée est un vrai lycée de fachos bien riches, avec une grande majorité de fils à papa. Ambiance fleur de lys brodée et tout. Réellement détestable. Homophobe, royaliste. Nous, on y a été parce que plein centre, facile d'accès, prof sympa, sur le papier, il paraissait cool.
serais pas toi aussi un peu royaliste, mon frérot ? Non, je rigole. Le problème, c'est que l'un des trois de notre équipe a complètement vrillé. C'est celui qui s'est le plus intégré au lycée. Mais depuis un an, il tient des discours homophobes. Il n'a plus aucun filtre en parlant des autres et critique la meuf de notre pote parce qu'il la trouve moche en disant « tu peux pas sortir avec ça ». À savoir qu'elle a un handicap physique au visage depuis sa naissance. Je vous raconte notre histoire vu que d'un côté ça reste mon gars, d'un autre pour moi, l'homosexualité par exemple, c'est vraiment pas un débat, chacun fait ce qu'il veut et ça regarde que soi. La plupart me disent qu'on peut pas être pote avec un connard pareil et perso je suis emmerdé parce que c'est vraiment mon gars. Le mec est vraiment hyper sympa quand on le connaît. Moi, j'ai pas envie de le lâcher, mais c'est pas à moi de l'éduquer. Et même, on peut pas façonner des gens à notre image. Et en soi, les désaccords, c'est courant. Ça n'empêche en rien l'amitié, mais jusqu'à quel point ? Bonne journée et continuez votre taf, c'est trop cool, vive le rap. Si, si, c'est sacrée histoire. Ouais. Toi, est-ce que dans ce truc-là, tu penses qu'on peut pas être pote avec des gens qui ont des valeurs opposées aux nôtres ? C'est à toi de choisir. Mmh. En vrai, il n'y a pas de règle. Ouais. Après, évidemment, c'est des choses que... L'homophobie, le fascisme, c'est des choses que je condamne complètement. Mmh. Si son frérot, il tient des propos, en effet, comme ça, c'est un vrai problème, quoi. Mmh. Et après, je pense que ce qui est rigolo, c'est qu'avec l'âge, les gens, ils changent. Et les gens, ils deviennent ce qu'ils ont envie de devenir. Mmh. Des fois, chacun a un parcours comme ça. Si ton zinc, tu lui as dit et que ça t'embête vraiment, ben, faut lui dire que c'est un problème. Et à toi de choisir. Des fois, malheureusement, les gens, ils font ce qu'ils font parce que t'aurais envie qu'ils fassent, quoi. Donc, ouais. Et ça, malheureusement, plus tu grandis dans la vie, plus ça t'arrive, quoi. Donc... Moi, j'ai plus un côté fataliste sur ce truc-là. Alors, par contre, éventuellement, le zinc, tu peux lui mettre une bonne paire de claques pour lui remettre les pieds sur terre quand même, tu vois. Mmh. En mode, parce qu'en fait, des fois, les gens se rendent pas compte qu'ils ont des propos qui peuvent être homophobes, discriminants. Enfin, tu vois, l'histoire de la copine en disant « tu peux pas sortir avec elle, elle est moche, vas-y, frérot, calme-toi deux secondes. Ouais. » Tu vois, mais peut-être que, sait-on jamais, il s'est senti... Tu vois. Ouais, faut se dire un peu. Je sais pas, ouais. En plus, c'est des sortes de pousser de nouvelles couilles un peu, tu vois. Ouais, ouais, de ouf. Moi, je pense qu'il y a un truc qui se trouve, il est comme ça pour s'intégrer dans ce lycée-là avec les autres, etc. Je trouve, au fond de lui, il est pas vraiment comme ça au final, tu vois. Mais tu sais, gros, au fond de toi, t'es ce que t'es, enfin. Ouais. En fait, t'es ce que tu renvoies et t'es les gens avec qui tu traînes. Mm. Si tu te comportes comme ça, c'est que t'es en train de devenir comme ça. Il n'y a pas de au fond. Ok, ok. Gros, en vrai, tu vois. Ouais, et, ouais. Ça, peut-être que son pote, il doit s'en rendre compte. Mm. Tu vois ce que je veux dire ? S'il se comporte comme ça. Bah, c'est que t'es en train de devenir un trou du cul, mon gars. Mmh. Donc après, tu fais ce que t'as envie, mais... Et c'est peut-être là, il est en train de lui dire, là, frérot, vraiment, t'as un comportement que moi, je valide pas. Et regarde ce que tu renvoies, tu vois. Si tes parents, ils te voyaient là comme ça, ils seraient pas fiers de toi, tu vois. Mmh. Donc peut-être lui dire, après, lui, s'il a envie de continuer comme ça... Des fois, j'ai l'impression que... Je pense que certaines situations doivent se régler par le conflit. Ah ouais ? Bah, y a des moments, on peut pas que brosser les gens dans le sens du poil. Il y a un moment, faut dire aux gens, frérot, ça, c'est pas bien. Mmh. Si le mec choisit de persister, c'est très bien. Mais si ça le blesse, parce qu'en plus, un truc comme ça à dire, c'est blessant, c'est vexant. Le mec, forcément, il va te vexer. Ah, il va pas dire direct, c'est vrai, je suis comme ça. Ah, pardon, et redevenir normal. Ouais, bah, oui, il va dire, mais non, machin, je rigole, ou truc comme ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors que non, dis-lui, non, là, gros, t'es ce qu'on déteste. Mmh. Et attention, il y a plein de moments où, tu vois, moi-même, ça m'est arrivé des fois d'être une version de moi-même que j'aimais pas, tu vois. Mais heureusement que j'ai mes amis pour me le dire, tu vois. Donc là, en tant qu'ami, il faut qu'il lui dise la vérité. Hein. Et en plus, qu'il lui dise surtout ce que ça lui fait, lui. Qu'il a l'impression de perdre son ami, etc. C'est important. Ouais. Voilà. Après, par contre, comme je disais au début, pour moi, malheureusement, c'est les histoires de vie, surtout avec les amitiés quand on est jeune. Les gens, ils évoluent, c'est logique, tu vois. Alors après, sur des trucs aussi ouf que ça, c'est compliqué, mais par contre... les valeurs de tes... T'as des amis, t'es comme ça, puis quand tu grandis, les valeurs... T'as quel âge, toi ? Moi, j'ai 19 ans. Ah oui, bah... Ouais. Tu vois, félicitations pour ton hustle, malgré ton jeune âge, Alexis. Merci. Et ta belle barbe, je n'ai jamais réussi à l'avoir une comme merci. Ça. Merci, ah ouais. Bah ouais, c'est vraiment impressionnant. Et je te donnerai des techniques, t'inquiète. Tu fais du dropshipping ? Exactement. Eh ben, je suis preneur, Alexis. Lien dans la description, si vous voulez, voilà. Avec le code Alexis Belbeba, moins 20% sur les produits. Vous aurez pareil que moi, en mieux, peut-être. Putain, je rêve de ça, Alexis. Un problème de famille qui date d'il y a un peu moins de 2 ans. Mes grands-parents sont mariés depuis plus de 50 ans. Je n'avais jamais encore entendu de non-dit concernant leur relation, ni de cas passés qui auraient pu être délicats. Ma mère ne m'avait rien raconté concernant leurs problèmes. Un beau jour, je rentre du lycée et je vois ma grand-mère assise dans le salon. Elle n'était pas censée être là. J'apprends alors qu'elle est là provisoirement, car elle a découvert que mon grand-père l'a trompée avec une prostituée en ligne par téléphone. Elle avait remarqué des dépenses inconnues sur leur compte, mais mon grand-père disait que c'était des commandes Amazon. Attends. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de rigoler, c'est pas marrant. Ouais. Mais alors, attends. Le grand-père, il est en mode téléphone rose. C'est ça.
continue à partir de là, okay. S'il te plaît. J'ai décroché, j'ai vu mon Yannick, mon attaché de presse dont je parle dans toutes mes interviews, qui est MDR, ce gros bâtard. Il profite de ne pas être à l'écran, de ne pas avoir de vie médiatique pour être MDR. Ok, petit ok. Filou. Ok, donc en gros, il disait que c'était des commandes Amazon, pour expliquer les dépenses. Ah ouais, des sales, des bonnes petites commandes Amazon, ouais. Ah ouais. On trouve de tout sur Amazon. Au final, elle est restée 2 semaines chez nous, ma mère et moi. Disait qu'elle allait quitter... La prostituée ? Non. Je rigole, ça va. Et c'est ma belle-mère maintenant. Et je veux pas partir en vacances avec elle. Qu'est-ce que je fais, Alexis et Ben ? Et elle devient fasciste, je ne comprends pas. Ah bah alors ah, ça, c'est putain. Un problème, parce que moi, j'ai rien contre les prostituées, ni contre les vacances. Mais une prostituée facho, ça dégage. Elle disait qu'elle allait quitter mon grand-père, s'installer seule dans un appartement près de chez nous. Au final, elle est retournée vivre avec lui quelques semaines plus tard, et tout le monde a laissé couler quelques mois, pour au final faire comme s'il ne s'était rien passé. Depuis, je n'ai pas réussi à sincèrement redevenir naturel avec eux. Je me sens au cœur d'une grande hypocrisie et me questionne beaucoup sur des choses passées. C'est une super histoire. En vrai, c'est une super histoire. De ouf. En fait, il y a plusieurs choses. Est-ce que la situation te dérange déjà, ou est-ce que c'est plus le non-dit qui te dérange et toi, ce que ça te procure ? Si on doit parler de la situation, moi, pour moi, tous les couples vivent des choses. Et en tout cas, moi, la vie d'un couple, elle concerne le couple. On n'a pas à juger de ce qu'ils font. Enfin, en gros, pour moi, ça ne les regarde pas. Et en plus, frérot, moi, j'applaudis des gens qui ont 50 ans de mariage. Je pense que chacun a ses histoires et ça ne me regarde pas. Après, la question, c'est lui, ce que ça lui procure, si ça le gêne, si ça le travaille et tout. Ça, dans ce cas-là, il faut qu'il en parle avec... peut-être eux, tu vois, genre s'il est capable. Et après, il y a le côté non-dit, tu vois, ça, les non-dits, je peux comprendre que ça... C'est surtout les non-dits, en fait, tu vois. Ouais, de ouf. Mais après, moi, tu vois, par exemple, je sais que mes grands-parents, ils ont eu des histoires aussi, des fois, dans leur couple, où c'était pas tout le temps évident. Et en fait, gros, t'as déjà été en couple. Même au bout de 2-3 ans, il y a toujours des histoires. Comment tu veux qu'en 50 ans, il se passe jamais rien ? L'important, c'est l'amour, au final, tu vois. Ouais. S'ils s'aiment, s'ils sont bien, s'ils sont heureux comme ça. Mais là, on est pile dans... En fait, il faut comprendre si... Est-ce que c'est la situation qui l'a embêté, le fait que son grand-père, il ait recours à du téléphone rose, en fait. Elle me dit pas que t'as jamais été sur des petits sites, hein, mon petit pote, là, je vais pas dire ton blaze, y a pas son blaze, en plus. Non, y a pas donné son blaze, mais... j'ai pas voulu. Mais, tu vois, t'as capté, ma gueule, on est tous, hein. Ouais. Ouais, on va pas se jeter la première pierre. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, tu vois, ton grand-père, en tout cas, si c'est ça qui te dérange, sois tolérant avec ton papy, tu vois. Après... ça soulève plein de questions. Ouais. Le truc, on peut pas comparer aussi, je pense, une histoire comme ça, au bout de, je sais pas, 50 ans de mariage, qu'au bout, je sais pas, de 6 mois de relation, quand on est jeune, etc., les enjeux sont grave pas les mêmes, je pense, tu vois. Parce qu'aussi, elle se met un peu à la place de sa grand-mère, en mode, moi, j'aurais pas supporté ça et j'aurais quitté. Peut-être qu'elle a peur, ou la personne a peur, que sa grand-mère se soit remis un peu avec le mari, le papy par dépit, tu vois. Donc, au fond, mais, ça la blesse, ouais, tu vois. Mais qui on est pour juger ça, ouais, ça. Gros, 50 ans de mariage, je sais pas quel âge ils ont, s'ils ont 70 ans, elle va faire quoi? Elle va refaire sa vie. Ouais, bah ouais. Peut-être qu'elle a la flemme, elle est bien chez elle, gros. Et puis, elle est bien avec lui. Donc, peut-être qu'elle a envie de le pardonner pour ça, ouais, tu vois. C'est possible, on sait pas. Mais en fait, ça lui appartient. Ouais. Et si t'aimes tes grands-parents, tu dois respecter leur choix, tu vois, et pas te dire... et pas le juger, en fait, parce que c'est pas les mêmes enjeux que toi à ton âge, tu vois. Ouais. Et puis, quand ça t'arrive à 60 ans, 70 ans, on peut pas savoir. Ouais, nous, Il nous arrive une dinguerie, on est là, ouais. Mais on sait pas. Donc c'est... Moi, honnêtement, j'ai du mal à... Moi, tout ce que je conseillerais, c'est de prendre du recul, en fait, sur la situation. Quoi. Même, il y a des trucs un peu... J'ai l'impression qu'il a besoin de comprendre ce qui s'est passé vraiment. Tu vois, genre, même ça lui pose peut-être des questions par rapport à la prostitution en général, tu vois. Et genre, à base de... Je sais pas, prostituée en ligne, c'est quoi? C'est une escorte? C'est du téléphone rose? C'est des vraies questions. Et ça pose aussi des questions de valeur sur le traitement des femmes, sur le... Donc, qu'est-ce qui le dérange, lui, vraiment, tu vois? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout le côté où la personne a peur qu'il y ait eu d'autres trucs dans le passé et que ça soit pas... Ouais, mais gros, il n'y a pas de tapis sans poussière en dessous. On a tous des histoires dans nos familles. Y a pas de famille sans histoire, ça n'existe pas, j'ai l'impression, à part dans les Sims. Et encore, ils ont tous des trucs avec les poulaillers et tout, là, tu vois. Mais non, je pense que l'important, c'est d'être tolérant et d'être capable de se mettre à la place de la personne, même si c'est une personne qui a 70 ans, 80 ans, il faut se mettre à la place des deux. Et on se crée de... En fait, c'est leur couple, on sait pas, tu vois. Là, c'est le papy, il s'est fait gauler, mais qui sait ce que la mamie... Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est comme ça, en fait. On est des humains, hein. Avec nos faiblesses, nos forces, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas des êtres qui s'aiment, tu vois. C'est pas pour ça qu'ils veulent pas le bien l'un de l'autre, et c'est ça le plus important. Ouais. Ouais. Mais je comprends que ça déboussole. T'as tout mon amour, mon pote. Je te souhaite beaucoup de force. Je vais vous parler de la situation dans laquelle j'étais l'année dernière. Je venais de rentrer au lycée, sauf que je sortais d'une année où j'avais perdu toute motivation de travail.
Ce qui n'avait pas été trop pénalisant scolairement, mais mentalement, ça se dégradait, même si je le niais. Ça se traduisait physiquement par des grosses fatigues, mais j'ignorais. Arrivé l'année dernière au lycée, c'était pas la même, plus le choix de bosser. C'est ce que j'ai fait, mais honnêtement, c'était hyper dur. J'avais mon groupe de potes, heureusement. Mais rapidement, dans l'année, je devais lutter pour me lever, aller à tous les cours, etc. Ce que je devais faire me plaisait pas. Je gardais les bonnes notes, mais pendant la période hivernale, j'avais une demi-journée, voire une journée d'absence par semaine, tellement physiquement, je ne tenais plus. J'étais fatigué, je ressemblais à un cadavre. Tous les jours, je sais même pas comment je tenais les autres jours. Je ressentais trop de pression, chaque nouvel éval, c'était un coup en plus, alors que je savais que j'en avais les capacités. Ça m'arrivait de pleurer dès le réveil, en me préparant dans le bus, le matin, sous la douche, à peu près tout le temps, avant de dormir, parfois au lycée en m'isolant. C'était que la seconde, donc pas d'examen, fin des cours début juin. Je pense que les 3 mois de vacances m'ont bien soulagé. Et je suis arrivé cette année dans la mentale où il est hors de question de revivre une année pareille, c'est bien. Je ne me laisse plus abattre et interdiction d'arriver en cours la boule au ventre. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Déjà avec l'ESP, j'ai plus de cours qui m'intéressent. Je suis toujours fragile niveau sommeil, donc je fais bien gaffe, mais je dors mieux, donc moins fatigué. Le cercle vicieux du stress, pression plus épuisement est passé. C'est avec du recul que je me rends vraiment compte de l'état catastrophique dans lequel j'étais, et même si parfois j'ai l'impression que je pourrais rechuter quand je commence à me sentir submergé, j'ai conscience de ce que je ne veux plus absolument vivre. Force à toi pour les vidéos, et Ben, je kiffe ta musique. Si, si, merci beaucoup à toi. Gros, belle histoire, de bien écrit. J'ai trouvé ça très bien écrit. C'est touchant. Et en plus, c'est... En fait, c'est cool parce que j'ai l'impression que le c'est solutionné, en fait, déjà. Ouais, de ouf. Moi, je comprends de ouf, gros, parce que c'est... L'école, c'est compliqué, en fait. Genre, je trouve que c'est quelque chose qu'on impose à tout le monde, alors que c'est tellement flagrant que c'est pas fait pour tout le monde. Et là, elle a directement pris les choses qui... En fait, elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne des choses qui l'intéressent et qu'elle avait juste envie de se lever pour faire des trucs qui la font kiffer, tu vois. Moi, je comprends grave. T'es là comme ça, t'as 16, 17, 15 ans, tu dois te lever, des fois à des heures de ouf, si t'habites loin du lycée, même du collège, tu vois. Et t'es là, franchement, on va pas se mentir, les cours, là, il y en a plein, c'est chiant de fou, gros. Moi, j'ai des amis qui bossent dans des collèges, ils me racontent ce que font d'autres profs, je suis en mode, mais c'est pourquoi, en fait, tu vois, genre, il y a des profs qui font super bien leur travail, ouais, mais il y en a aussi qui en chient, donc... Moi, je la comprends de ouf. Et si je pouvais donner un conseil, après, j'ai eu la chance de pas ressentir ces choses-là aussi intensément. Mais par contre, j'ai détesté l'école. J'avais l'impression vraiment de devoir me lever pour aller dans un truc. Je comprenais pas pourquoi je le faisais, etc. Parce que j'avais besoin de faire mes choses. Tu vois, toi, ce que tu es en train de faire là, tu vois, tu fais ta passion. De ouf. Tu fais ce qui t'anime, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Quand tu sais pourquoi tu te lèves, t'as même plus l'impression de te lever, gros. Ouais, tu te réveilles et tu fais des choses. Et ça, c'est bien. Une fois dans ma vie, je me souviens, j'étais là comme ça. J'avais un trajet de bagnole à faire, tout seul. Et c'était il y a 6-7 ans. Et genre, je me suis dit, ce jour-là, j'ai 4 heures de voiture, mais je mets pas de musique. Je mets rien. Okay. Et juste, je réfléchis 4 heures. Tu vois, c'est un truc que je fais jamais. Et en fait, je me suis posé des questions et je me suis dit... Tu vois, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui me ferait plaisir, vraiment plaisir de faire? Et je me suis posé cette question-là. Et en fait, cette question, j'essaie de me la poser, genre, hyper régulièrement, genre, tous les 2-3 mois. Genre, vraiment, frérot, qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, aujourd'hui, à toi? Et en fait, moi, par exemple, je me suis rendu compte ce jour-là que j'avais envie de retourner en Asie, tu vois. J'avais la chance d'être déjà parti une fois en Asie. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de retourner en Asie, en fait. Et en fait, tu vois, moi, des fois... on vit une vie à 100 à l'heure, on a beaucoup de choses à faire avec la musique et tout, et en fait, je me rends compte que non, là, en fait, frérot, là, ce que j'ai besoin, c'est ça. Et s'écouter, au-delà de... Parce que des fois, on a l'impression de faire ce qui nous plaît, mais on se rend pas vraiment compte. Et en fait, peut-être que t'as besoin de nouveaux horizons, entre guillemets, juste de te dire, vas-y, en vrai, même si t'as 14 ans, t'es chez tes parents et tout, mais peut-être qu'en fait, t'as envie de commencer un nouveau sport, t'as envie de commencer un nouveau truc. Des fois, ça peut être des trucs bidons, gros, hein. T'as envie de... T'es pas quelqu'un qui lit, et là, en fait, c'est quoi? Ça te ferait du bien de commencer une saga, tu vois, un truc. Des trucs bidons, gros. Ouais. Aller commencer la randonnée, des trucs que tu connais pas, en fait. Aller voir des choses que tu connais pas. Et ça, je pense que ça peut faire du bien. Ça va pas résoudre la phobie scolaire, qui, je pense, est une maladie, ouais, tu vois. Mais je me dis, déjà, c'est bien. Et là, le truc de se sentir, mieux, parce que les cours t'intéressent plus, déjà, c'est bien. Mais force, parce que malheureusement, En fait, malheureusement, tu es obligé de passer ces étapes-là pour accéder à certaines choses et à certains métiers. Donc vraiment, force, quand vous êtes en, dites-vous bien, quand vous êtes en seconde, première, terminale, c'est dur.
mais c'est de mieux en mieux, genre. Genre vraiment, la fac, ça devient plus chill et puis tu fais des trucs qui te plaisent plus. Donc vraiment, parce que tu t'es spécialisé, mais force à vous, moi je trouve que c'est dur des fois. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça très dur, trop dur même. Donc vraiment, force à vous. En plus, je trouve que c'est un âge où on a tendance à pas être assez valorisé. Tu sais, j'entendais souvent des gens dire à mon petit frère, j'ai un petit frère en terminale moi, lui dire ouais, tu sais pas ce que tu vas faire plus tard, t'es perdu. Faut mettre la pression sur ça. Ouais, mais en fait, arrêtez de nous mettre la pression. Les gens qui mettent la pression, la plupart du temps, ils savaient pas quoi faire non plus à 18 ans. Personne savait quoi faire. Hein. Moi, je vous le dis tous là, si vous regardez, moi, je savais pas quoi faire. J'ai fait n'importe quoi pendant 2 ans, mais j'ai cherché quoi faire. Parce que je trouve que souvent, on te dit, mais en fait, tu veux choisir quelle route. C'est des routes devant toi, mais en fait. On devrait plutôt te dire, mais tu veux aller où ? Ouais, ok. Pas choisir quelle route, ça n'a aucun sens, tu vois ? Donc, autorise-toi de rêver, choisis, mets-toi des objectifs plus loin, et ça ira mieux, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu apprends à conduire, tu as le permis ? Ouais. Tu vois, le gars, il te dit, regarde pas tout près, regarde plus loin, et tu conduiras mieux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est grave pareil, tu vois. Ok. Voilà, c'est mon avis. Ok. Et toi, à partir de quand tu as commencé un peu à... Conduire ? J'ai mon... Non, je gueule. Non, si tu veux, vas-y. Non, on s'en fout. À partir de quand t'as commencé à kiffer les courses et à un moment donné t'as quand même réussi à kiffer ? À la fac. En fait, la fac, c'est cool quand même. Genre, j'ai kiffé toi ? Ouais, j'ai kiffé. En fait, j'ai fait une première année de fac où j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait fac de sport. Okay. Et c'était sympa, mais... C'était sympa parce que tu fais du sport, mais ouais. Je savais pas ce que je foutais là, tu vois, j'avais pas envie de faire ça. Et par contre, après, j'ai fait un DUT technique de commerce. Okay. Et là, c'était pas ouf non plus, mais j'ai rencontré des gens qui avaient des assos. Et donc, j'ai commencé à donner des coups de main dans des assos de mecs qui organisaient des concerts. Et là, je me suis régalé, gros. Puis là, j'étais dans une ville, j'étais plus dans ma ville. J'avais 17 ans, j'étais dans une ville où j'avais un appartement. Ah, ok, déjà. J'avais un petit appartement étudiant, vraiment, genre, je paye 80 euros de loyer, frérot. Wow. Donc, pour te dire, des fois, c'est possible. Okay. Après, les cours en tant que tel, c'était ok, mais je me suis accroché. Et après, j'ai fait une fac d'art. Okay. Genre, j'avais des cours d'histoire de la danse. Histoire de l'art, histoire de... Et ça, j'ai musicologie, gros. Ouais, bah genre, t'es là pendant... Je me rappelle le jeudi matin, pendant 4 heures, c'était genre, bon bah aujourd'hui, on va voir l'histoire de la musique au Japon. Bah frérot, ça tue sa mère, tu vois. Ouais. L'histoire des musiques... Je me souviens, un semestre entier sur les musiques électroniques. Trop bien, t'es là comme ça, toi t'aimes le rap, il y a tellement de liens avec ce que t'écoutes, ouais, ouais. Et tu dis au prof, eh mais monsieur, mais la prod de tel morceau, ah ouais, bah c'est le même instru et tout, nanana. Ça tue sa mère, tu vois. Ça, vraiment, je me rappelle, j'étais à l'école et j'y allais en mode. J'allais à l'école avec plaisir, tu vois. Ouais, ça, c'était vraiment trop bien. Ouais. Et puis, rapidement, après, ça a été le moment d'arrêter, en vrai. Pour la musique, du coup ? Pas pour la musique, non, parce que je voulais bosser, quoi. Moi, je. Le système scolaire te gavait un peu, quoi. Non ? J'ai jamais trop. Moi, c'est même pas que le système scolaire. Moi, globalement, c'est même. Tu sais, bosser pour un patron, je suis pas sûr que. Je pense que j'y arriverai pas, tu vois. J'ai besoin de. Faire mon own shit. Ah, j'ai besoin de... T'as la ref, c'est bon ? Ouais, putain, ouais, c'est bien. Ouais, t'inquiète. J'ai besoin de... En vrai, c'est ça, hein. Tu vois, j'ai besoin de me chercher à l'intérieur. Ouais, d'en être, en fait. De... Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. J'ai besoin de voir, quoi. Donc, ouais. Mais il y a des gens pour qui ça va bien et c'est pas forcément... En fait, ton épanouissement personnel, il passe pas forcément par ton boulot, il peut passer par plein de choses, tu vois. Ça rejoint... Bah, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, tu vois, de... D'être heureux de manière... Des fois, en fait, on ne se rend pas compte, gros, on a le nez dans le guidon, on n'a pas l'impression qu'on l'a. Et en fait, tu vois, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un nouveau parc à côté de chez moi, tu vois. Ok. Un nouveau parc hyper grand, avec un bête de lac, plein de trucs, tu vois, plein de chemins et tout. Et j'y allais jamais avant. Et en fait, c'est à genre 20 minutes de chez moi en vélo, tu vois. Et là, du coup, maintenant, j'y vais tant en temps, tu vois. Et je kiffe, gros, je me balade, je marche dans la boue. Tu vois, il y a des oies, il y a des trucs. Et genre... Rien que ça, gros, ça me régale, tu vois. Ouais. Et c'est hyper simple. C'est, déjà, de une, c'est simple. Et surtout, ça égaye ton quotidien, tu vois. Et du coup, je pense que des fois, on se rend pas compte. Moi, par exemple, genre, j'aime bien jouer à FIFA, tu vois. Okay. Random. Mais je me rends compte que des fois, je suis chez moi et j'ai pu avoir tendance des fois à être en mode, vas-y, je suis posé, vas-y, je joue à FIFA. Mais en fait, non, tu vois, genre, oui, mais genre, pas tout le temps. Genre, en fait, là, sur le moment, ce qui te rendrait heureux, c'est autre chose, tu vois. Et juste se dire, faire l'effort de dire, attends, vas-y, on va essayer autre chose, faire l'effort d'aller faire autre chose, ça fait plus kiffer, tu vois. Voilà, tu vois, c'est ce que je conseille, hein, tu vois. Un super loisir qui fait grave du bien, c'est d'aller au cinéma tout seul. Si j'avais fait ça. Ben ça, je te le conseille, frérot. La séance du matin, solo, comme un fou. parce que comme ça, tu choisis vraiment ce que toi, tu as envie de regarder. Ouais, tu sais, quand tu vas avec quelqu'un, tu choisis toujours un peu en fonction. Et là, tu te dis, mais c'est quoi mes goûts, en fait ? Ouais. Moi, par exemple, frérot, les Spider-Man, dès que Spider-Man, ça sort solo, séance de 10h20, je me la tue.
Ça, j'aime trop, tu vois. Incroyable. Voilà, tu vois. Ouais. Mais je le conseille vraiment, cinéma ouais, tout seul, c'est vraiment super. Ouais. Et ouais, c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de. Pas forcément de problèmes, mais j'ai reçu beaucoup de gens qui étaient en mode j'ai pas confiance en moi. Je trouve dans le projet, t'en parles quand même pas mal. Ouais, bah si vous avez pas. En fait, pour résoudre vos problèmes, écoutez mon album. De ouf. Voilà, achetez-le même. L'écouter, ça fait du bien, mais alors l'acheter et acheter le vinyle, ça fait encore mieux du bien. Et aller le voir en concert aussi. Alors là, T'as plus de problème. Là, t'es heureux pour. Normalement, tu n'as plus aucun problème. Tu rencontres le. On m'a dit. On m'a dit. Ouais. Voilà, bon après. On m'a dit. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, du coup, ouais. Toi, comment t'as réussi entre guillemets à prendre confiance en toi? Est-ce que c'est venu tout seul ou est-ce que t'as quand même fait un travail sur toi? Tu sais, j'ai confiance en moi, mais il y a plein de moments où j'ai pas confiance en moi. Ouais, encore aujourd'hui, en vrai, ça des hauts débats. C'est quoi. En fait on est en face de l'Olympia. Je vais monter tout à l'heure pour chanter une chanson au concert de Loud et 5 minutes avant de monter, je vais me dire je suis nul. Tu vois ce que je veux dire? C'est un combat perpétuel la confiance en soi. Mais il y a aussi des moments où, en fait, pour moi, il y a une différence entre la confiance et le réalisme. À un moment, il ne faut pas se rabaisser pour rien. Tu as fait des choses, tu es capable de faire des choses, c'est factuel. Donc, tu n'as plus besoin de stresser. Tu vas toujours stresser. Ouais. Et puis, il y a des techniques. Tu vois, genre, moi, je sais que je fais un peu de sophrologie. Okay. Genre, avant, par exemple, des moments stressants. Et ça me calme, tu vois, il y a un mec qui s'appelle Wim Hof, W-I-M, tu connais ? H-O-F, je te conseille de regarder. Okay. C'est une technique de respiration qui permet de se calmer. Genre tu vas sur YouTube, tu tapes Wim Hof, technique de respiration, et un truc qui dure 11 minutes et tout le monde peut le faire. Là, vous pouvez aller le faire maintenant. C'est vraiment super. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois, avant les concerts, sur les moments de stress et tout, tu vois. Donc, Encore maintenant, tu as eu le stress d'avant le concert à chaque fois. Ouais, c'est normal. Surtout quand ça fait longtemps que t'es pas monté. Là, tout à l'heure, je vais avoir trop peur, par exemple. Ah ouais. Là, ça fait un moment, c'est une nouvelle chanson en plus. C'est sûr, tout à l'heure, je vais sur le techo. En plus, c'est quand tu montes, c'est même pas pour un concert à moi. Donc quand tu montes en invité, c'est encore plus stressant parce que tu te dis, les gens sont pas là pour Wham. Et puis je suis là que pour une chanson. Donc ça veut dire que t'as même pas le temps de t'habituer. Ouais. Tu rentres, tu fais. Et tu sors. Et ça, c'est vraiment flippant. Ouais. C'est, alors qu'un concert à toi, la première date d'un spectacle que tu as créé, elle est flippante parce que c'est la première. Ouais, normal. Donc il y a tous les trucs. Bah, après, vas-y, au bout d'un moment, tu arrives à te focus sur le plaisir. Et puis, c'est des choses qu'il faut se rappeler. Moi, tu vois, justement, je fais souvent ce truc de respiration qui dure 10 minutes. Mmh. Et pendant ce truc-là, je réfléchis. Et souvent, je me dis, hey, gros, rappelle-toi, prends du plaisir. Parce qu'en fait, tu es là. Genre, là, tu vois, tout à l'heure, je vais te dire, je vais stresser alors que je vais chanter à l'Olympia. C'est le rêve de tout le monde. Bah, de ouf. Donc en fait, vas-y, ferme ta gueule, arrête de stresser et profite un peu. Mmh. Genre, en vrai, au final, moi, il vaut mieux que je me dise, kiffe, j'y vais en kiffant, en gros, quitte à me tromper un peu au pire. Mmh. Mais au pire, au moins, j'aurais kiffé. Et la plupart du temps, les gens, quand t'es en kiff, ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi, attention. Oui. Mais que tu prends le temps de profiter, ils le ressentent. Mmh. Le mec, il est à l'aise, il est en train de kiffer, putain. Tu sais, quand tu regardes un mec qui est en train de faire ce qu'il aime, gros. Mmh. C'est trop beau, tu vois. Ouais, bah ouais, là, c'est pareil, quand t'es en concert, faut que tu donnes ça, tu vois. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Merci, mon gars. T'as merci pour l'invitation. Bah, merci à toi. Force à tout le monde, d'ailleurs, et puis force à Watt pour tous les projets. Merci, force à toi aussi. J'en prie. Streamer, dire je t'aime. C'est vraiment, frère, je me suis pris une teutard. Incroyable. Merci, c'est gentil. Tu as mis les petites larmes aux yeux, même. Hein. Ça, c'est mon travail, mec. Merci, mon gars. Merci, mon frérot. Merci beaucoup, ça tue. Trop bien, merci. Abonnez-vous, streamez, dire je t'aime. Si vous avez des histoires à raconter, il y a le lien de le formulaire d'inscription. Et voilà, merci. Continuez de raconter vos histoires, c'est bien, ça tue.